Names Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Dans ce port. J'espère que vous allez bien, que votre famille se porte à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de fantômes cachés. Le fantôme s'est caché dans la photo d'une jeune fille et d'une personne. Ça, c'est une chose hors du commun, on a du mal à y croire. Avant de vous en dire plus, allons ensemble voir cette affaire au studio et d'autres choses. Vous serez même surpris. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fou? Mythe ou réalité, nous sommes là pour tout découvrir ici. Soyez prêts. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le fantôme est ici. Mais où est-il? À ce qu'il paraît, il est caché quelque part dans la photo. Suivez mon regard. Comme vous pouvez le voir, ces belles jeunes filles ont décidé de se prendre un jour en photo. Et elles ne s'imaginaient pas qu'elles verraient un fantôme caché à l'intérieur. Et il est là! Wouh! On voit même pas son visage. Mais le gars, il vient tout tranquillement. Jusqu'à même, il caresse même la fille au passage. Qu'est-ce qu'il n'y a pas avec lui? Ah! Quand les gens ont vu ça, ils ont dit, oh, sans doute c'est une personne de leur famille qui est partie. Et quand elles-mêmes, elles ont vu ça, elles se sont dit, waouh, ce personnage ressemble à quelqu'un qu'elles ont connu, mais qui est mort. Sérieux? Mais comment se fait-il qu'il arrive jusqu'à là dans ce monde? Les morts ne sont-ils pas morts? On dit que quand on meurt et c'est fini, non? Après, cela vient le jugement. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est vraiment vrai? Vraiment, c'est étrange. Et nous allons découvrir encore d'autres images. Soyez prêts. Comme vous pouvez le voir ici, c'est cette photo en réalité. Elles se sont prises juste en photo. Et regardez ce qui apparaît là. Est-ce que c'est un montage? Est-ce que les gens l'ont fait juste pour faire peur aux gens? Est-ce que c'est réalité? Mais si c'était vraiment de la blague, pourquoi les gens prendraient-ils leur temps pour venir raconter des histoires si ça n'existait pas vraiment? En tout cas, les gens y croient déjà. Aux fantômes. Et il est juste ici. Regardez. Est-ce que vous le voyez bien? Il est juste là. Ici. Où se trouvent les deux flèches. Bon, en fait, dans la direction des deux flèches. Regardez. Ah! Sérieux? Ce qui est étrange, c'est que un jour, un prêtre a dit que il s'est rendu à l'église. Et arrivé à l'église là-bas, il a décidé de se prendre en photo. Et quand il s'est pris en photo, tout de suite, la photo est sortie. Et il pouvait voir dans la photo la silhouette d'une personne très étrange. Et cette personne se trouvait juste là derrière lui. Ah! C'est même qui? Personne ne sait. Mais le prêtre n'a pas hésité à dire mais que lui, il n'y croyait pas, il avait du mal à y croire. Si c'était une autre personne qui lui avait montré ça, sans doute, il n'y aurait jamais cru. Parce que, mine de rien, ça reste un mystère. Et après les recherches, les gens se sont rendus compte que cette église a été construite non loin d'un cimetière. Et apparemment, sans doute, c'est l'un des morts qui a décidé de venir leur rendre visite. Waouh! Sérieux? C'est de la blague. La femme, elle est ici. Et elle n'a pas idée que derrière elle se trouve quelque chose d'étrange. Ah! Est-ce que c'est vrai? Qui l'a placé là? Est-ce que les gens font ça juste pour nous faire peur? Maintenant, regardons encore cette image. Pourquoi tant de photos nous montrent de tels trucs? Est-ce que ce sont les gens qui sont venus inventer des histoires? Vous savez, il y a des gens qui sont là spécialement pour inventer des histoires drôles. Mais vous savez également que les esprits, on ne joue pas avec eux. Parce que quand ils sortent de leur tombe et qu'ils viennent vous saluer, ils ne voudront plus retourner en arrière. Mais qui l'a invoqué, qui l'a appelé ici? Mais personne là ne l'a appelé. Comment se fait-il qu'il rôde tous les champs? La plupart du temps,
Quand les gens voient ça, ils se disent, oh, c'est l'esprit de la grand-mère qui est de retour pour venir protéger la famille. En général, c'est ce que les gens se disent. Et on peut voir une petite chose qui est là, juste là en bas, là où se trouve le rond fâcheux. Ah, on voit également une petite créature qui est cachée juste là derrière. Est-ce que vous voyez ça? Ah, sérieux? Et on voit ici, pendant que ces gens se prennent en photo, voici une personne qui est là comme une autre petite fille. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que le prêtre avait raison? Moi, j'ai entendu le prêtre parler, j'ai vu son témoignage. Quand je l'ai entendu parler, je me suis dit que, il a peut-être raison, il a peut-être vu un truc. Il a même confirmé, il a monté la photo, ouais, on voyait les trucs bizarres. Genre, comme un homme est venu se positionner juste derrière pour se prendre en photo avec lui. Sérieux? Est-ce que vous y croyez maintenant? Est-ce que vous y croyez? Les gens pensent que c'est un montage et que ce sont des histoires. Moi, franchement, je ne saurais vous dire non parce que j'ai vu tellement de choses dans ma vie que vous ne pouvez pas vous en rendre compte, quoi. Attendez, je vous explique. Un jour, j'étais assis à mon grand-père. Nous étions autour du feu, c'était la nuit. Et pendant que nous étions assis, loin, juste là dans la forêt, là, j'ai vu le feu se déplacer dans la forêt sans se consumer, sans consumer quoi que ce soit. Genre, les flammes de feu qui se déplacent. Sérieux? Quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai cru que c'était de la blague. Et quand j'ai vu ça, automatiquement, j'ai dit à mon copain, oh, regarde, regarde, regarde là. Lui aussi, il n'a pas manqué de me dire que c'était un fou, c'était un génie. Voilà. C'était un génie. Mais j'ai mis cette place comme ça. Sérieux? Comment c'est possible? Il a même donné le nom du génie. Il m'a donné le nom du génie, mais comme il y a très longtemps, j'ai oublié. En ce moment, il n'est plus de ce monde. Donc, je ne peux plus revenir à l'arrière. Si lui aussi, il était là, il allait lui poser la question, comme il allait me redonner le nom. Mais une chose est sûre, c'est que je ne pouvais jamais oublier ça. Est-ce que Dieu croit aux fantômes? Ce que je peux vous dire, juste, faites attention à vous-même. Tout est possible dans la vie. Vous devez tout mettre en œuvre pour ne même pas chercher à rencontrer des revenants, des fantômes ou les esprits. Parce qu'il y a des gens qui ont un malin plaisir à causer avec les morts. Ou même, ils vont rendre un culte aux personnes décédées. Ça, là, on le voit très souvent dans certaines églises. Oui, quelqu'un est décédé, peut-être un homme, 2 ans plus tard, les gens vont aller un vendredi là-bas pour dire, oh, aujourd'hui, on va prier pour la personne qui est partie, pour que son âme repose en paix. Si son âme doit reposer en paix, là, ce n'est pas à cause de toi. Si cette personne a été une bonne personne sur la terre, ses bienfaits vont la suivre, même après la mort. C'est vice-versa. Maintenant, vous, quand vous vous levez et puis vous allez donner votre argent pour qu'on prie pour l'un de vos parents qui est déjà parti, pour vous, votre acte, c'est sans doute, on va dire que c'est parce que vous aimez la personne. Mais en réalité, c'est de la naque. C'est de la naque. Ils sont en train de vous poser vos jetons au cadeau. C'est pas de la blague. Ce que vous devez faire, c'est de prier pour vous-même. Prie pour toi-même, prie pour toi. Ne cherche pas à rentrer en contact avec des gens qui sont déjà partis. Même Dieu lui-même, il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Pendant que tu es vivant et que tu regardes cette vidéo, il faut te repentir et réconcilie-toi avec ceux avec qui tu as des problèmes. Et puis avance tranquillement dans ta vie. Les ennemis, il y en aura toujours, mais laisse-les tranquilles là-bas. Laisse-les faire leur show. Toi, pardonne-les toujours et avance dans la vie. Maintenant, tous ceux qui vont s'amuser à aller causer avec les gens qui sont morts, ne soyez pas étonnés qu'à la place de ces personnes, ce sont des démons qui viennent vous visiter. What? Sérieux? Maintenant,
Vous êtes allé, vous avez causé l'esprit, vous avez causé à la personne décédée, la personne vous a dit d'être vous, peut-être vous pensez que c'est fini. Et si l'esprit là maintenant vous suit à la maison, qu'est-ce que vous allez faire? Mais en réalité, en ce moment-là, ça sera un démon qui aura pris la place. Et en ce moment, le démon a pris la place, il vous suit partout. Partout, vous allez vous suivre. C'est comme un témoignage que nous avons reçu ici, où une femme disait qu'elle recevait une lettre et de l'argent de son mari qui est décédé. Un homme qui est déjà parti, il t'envoie de l'argent, une lettre, et puis toi, tu prends ça, tu t'amuses avec. Depuis qu'elle a commencé à consommer cet argent, elle ne fait qu'assister à des phénomènes graves, comme la mort de toutes les personnes qui décident de se mettre avec elle. Puisqu'elle recevait de l'argent venant de son mari, tout le temps elle recevait cet argent, qu'est-ce qui s'est passé? Le fantôme, le revenant, l'esprit de son mari qui est décédé là. C'est lui maintenant qui était marié à elle. Et il était toujours là. Et c'est lui qui faisait toutes ces bêtises, qui tuait toutes les personnes avec qui elle essayait de collaborer. Ce sont des choses vraiment étranges. Mais ça existe. Ce sont des trucs d'esprit. Dieu nous a donné un vrai conseil par rapport à tout ça. Il nous a dit, ne cherchons jamais à invoquer les morts ou les esprits des morts. Dans la Bible, il y a Saül, le roi Saül. En son temps, il allait pour voir une femme pour essayer de réveiller l'esprit du prophète Samuel. On sait pas ce qu'il cherche le monsieur là. Bon, à ce moment-là, ce temps-là, c'était un temps où on interdisait aux personnes d'invoquer les esprits des morts. Mais lui, il s'est caché. Il s'est fait passer comme une personne simple comme nous. Il allait voir la femme, mentir à la femme que non, il est comme une personne simple qui veut causer à une personne qui est décédée. Et cette personne qui vient invoquer, c'est un fils de Dieu avec un esprit puissant. Là, cette personne est sortie, son esprit est venu. Dieu sait ce qui s'est passé. Cette femme qui l'a invoquée, elle-même, elle a commencé à trembler sur elle. Ces choses sont donc réelles. C'est donc possible de causer avec les gens qui sont décédés. Ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Vois ça même comme une chose même facile. Ce n'est rien. Une personne qui est décédée, l'a ramenée à la vie, aller dans le cimetière, l'a ramenée à la vie. Ça, c'est comme bonjour et bonsoir. Hein? Ce n'est rien. Ce n'est rien chez eux. Ils font ça même. Tout le temps. De toute façon, quand un sorcier tue quelqu'un, c'est ce qu'il fait à chaque fois. Donc, ils voient ce qui se passe. Mais vous, n'entrez pas dans ces connaissances interdites. C'est pourquoi on parle de connaissances interdites. Faites attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un j'aime pour nous informer. Si vous êtes 100 personnes à regarder cette vidéo, laissez tous des j'aime pour qu'on atteigne facilement les 100 j'aime pour cette vidéo rapidement. Je pense qu'en quelques heures, ça pourrait se faire et puis on va passer à un autre niveau parce que je suis chaud! Names Reborn.